Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, content de vous retrouver aujourd'hui pour une petite recette très rapide. Ah, ça, c'est pas très rapide. Hein. C'est comment faire mon étouffée de poisson là au four. Donc, comme ingrédient, j'ai pris le poisson silu. Si vous ne consommez pas le poisson silu ou c'est votre totem, vous pouvez prendre le macharon d'eau douce ou bien le macharon chinois ou le poisson tilapia. C'est quel genre de poisson qui vous fait vraiment, qui vous plaît. Donc, je vais mariner mon poisson. J'ai déjà bien nettoyé, gratté avec du citron, avec un peu de vinaigre. Là. Je vais mariner avec mon assaisonnement de poisson qui est disponible sur ma chaîne. Pour tous ceux qui seraient intéressés, je vais mettre la recette, les informations en premier commentaire qui sera épinglé. Pour tous ceux, tous ceux aussi qui n'ont pas d'assaisonnement de poisson chez eux, ça peut être un assaisonnement de poisson, comme vous voyez, assaisonnement de poisson. Il y a déjà une marinade de comment faire la marinade de poisson pour mariner le poisson. La recette est déjà sur ma chaîne. Vous savez, en bas là-bas. On pouvait voir puis adapter avec ça quoi. Voici à quoi la texture doit ressembler. Là, je vais prendre ici, je vais mariner mon poisson avec. Ah, faire des ventes d'épices, ça va faire beaucoup parler. Oh. Là, je vais rajouter de l'huile. Et mon enfant fait quoi là-bas, hein? Isaiah! Le poisson qui était très bien assaisonné. Là, je vais découper. Bon, je vais découper poireaux, feuilles d'oignon. Je vais mixer haché, oignon, tomate, échalote et piment. Ici, toutes mes préparations sont prêtes. Mon poisson, mes légumes découpés, mes légumes hachés. On passe à l'étape suivante. Ici, j'ai pris des feuilles d'attiqué. J'ai déjà nettoyé. Vous voyez ici, là, je vais enlever là. Pour rendre ça légèrement souple. Là, je dépose mon poisson. Ma pâte. Les légumes, la feuille d'oignon et échalote. De l'huile. Un peu de poivre blanc. Du sel,
Wow. Ok, les amis, voici les résultats de mon poisson étouffé fait au four. Donc, si tu as aimé la recette, n'oublie pas de liker, de t'abonner et puis de partager. Tu peux aussi activer la cloche de notification pour recevoir des alertes lorsque je mets en ligne de nouvelles recettes. Là, si c'est compliqué pour toi d'obtenir les feuilles d'artichaut ou les feuilles de bananier, tu peux utiliser le papier cuisson. Là, ça va dépendre de toi. Ça marche très bien aussi, mais seulement que tu n'auras pas le goût traditionnel là. Il y a un gros bongo là comme ça à tiquer. Donc là, on fait 1, 2, 3 et puis go. Ça là. C'est tout d'une manière exceptionnelle là. On voit même être blessé là-bas. Trop bon. Faut peut-être m'attendre au son là. Ouais, Abidjan, Côte d'Ivoire, Togo, Bénin, vous êtes prêts? Il y a des épices là arrivées encore. Hier seulement, ils ont déballé là. Aujourd'hui, hier mat. Non, vous êtes fort. Rupture de stock un coup. Ah, on peut faire ça. Maintenant là, je sais pas, les épices seront encore disponibles. Je sais pas quand, mais pour tous ceux qui sont intéressés en Côte d'Ivoire et dans la sous-région là-bas, vous pouvez contacter mes différents représentants là. Je vais laisser les informations en premier commentaire qui sera épinglé. Là, vous passez la commande, vous faites vos réservations. Là, dès que ça arrive, vous êtes les premiers servis, les premiers à être servis. Et puis, c'est comme ça. Sinon, si tu dindes là, c'est pour toi qui t'en vas où? Tu dors, c'est pour toi qui s'en va. Là, la recette est finie. Hein. Je suis en train de pousser la vidéo pour que ça fasse 8 minutes. Donc, bye bye. Je reste à laisser ça comme ça.